La presse télévisée, la presse en ligne. Non pas moi, c'est Jacques Gary, représentant du comité 100% diaspora en Haïti. Je tiens à nous constater clair comment le groupe assassin a mis ensemble contre revendication peuple haïtien. Côté comité 100% diaspora, a voyé un pinga bail tout mercenaire qui a filé par pile et par macron pour aller négocier ensemble avec Ariel Henry. Dans nos comité 100% diaspora. Nous avons demandé, côté Yoteye, depuis 14 mois, nous sommes dans la RIA, ensemble avec toute organisation de base dans 4 points pays, pour nous demander justice pour le président Jovenel Moïse. Aba la richesse, aba insécurité, aba kidnapping. Côté Kokou, mettez avec toute opposition traditionnelle, tout le président Jovenel Moïse. Je dis à nous éclair, côté Ariel, SDP, Majorie Michel, André Michel, Nenel Kassi, Yuri Latoti, mettez tête ensemble contre revendication peuple qui a revendiqué, voyez tirer sur yo dans manifestation pour demander que vous avez besoin de changement, que vous petit yo capable d'aller la vie meilleure. Et journée jodia, comité 100% diaspora a voyé yon pinga by Ariel Henry et n'a demandé arrêter Ariel Henry avec tout corps gouvernement nan, qui n'est pas utile, masse défavorisée en rien. Et c'est raison ça, le comité 100% diaspora a demandé pressé pour gagner un gouvernement départemental qui pour venir mettre un conseil électoral pour aller faire référendum pour la nation capable d'aller dans l'élection pour nous capable de gagner un président légitime dans le pays pour l'international capable de pays ça, ce n'est pas pays pâle qui est lié, mais pays ça, il y a des gens qui sont capables de diriger. Et c'est raison ça, nous avons demandé la population dans la bataille que nous avons menée dans 4 points pays, eh bien, pas camper. Parce que sous camper, eh bien, si vous libérez les oligarques domestiques, les oligarques si vous libérez, ils ont fini ensemble avec nous. Et nous avons demandé, et nous avons dit un gros coup de chapeau bas pour chaque journaliste, chaque média qui était dans la RIA, qui était accompagné et population, malgré le tapage de cartouche, malgré le dévoyé, et tout ça qui était dévoyé pour être capable de faire ou même rentrer dans le coquillot, mais nous avons accompagné la population, côté policier, tap masqué population. Alors je vous dis, mercenaires, depuis 30 à 34 ans, vous prenez le pays, vous mettez en otage. Et nous connaissons le rôle mercenaire. Mais ce n'est pas jamais venu pour faire un bagage. C'est prêt qu'elle vient prendre. Et nous, le groupe international Bini OEA mettait ensemble avec toutes les mercenaires depuis 30 à 34 ans pour finir ensemble avec les peuples haïtiens. Alors nous, le peuple pas jamais perdu bataille. Nous avons demandé au peuple, même les gens qui étaient toujours campés, parce que nous avons 4 pays, ce n'est pas pour les Syriens, ce n'est pas pour les oligarques Colombiens. Et nous avons toujours campé dans l'arrière jusqu'à ce que nous-mêmes nous fassions revendication au passé, jusqu'à ce que nous-mêmes nous déchouquions Ariel Henry, ensemble avec toute SDP qui était dit président Jovenel Moïse. Ce n'est pas un essayé qui a réglé ce pouvoir. Et bien, je vous dis, après 14 mois, nous avons, messieurs, dames, ça, ils ont lagué le pays dans l'abîme, ils ont lagué le pays dans la boue. Et nous avons, je vous dis, nous avons demandé tout boss maçon, tout boss ébéniste, tout boss. Et ferronnerie, toute maman petite, tout papa petite, la jeunesse, chauffeur motocyclette, chauffeur camion, toujours qu'il y ait de l'arrière, quel que soit côté, et nous voyons provinciaux, ils ont engagé dans nos batailles, nous ne voyons pas jamais débloquer, et nous voyons malgré Ariel lagué comme dans l'arrière, mais nous voyons peuple là ouais, tout le monde qui empêche de délivrer, peuple là ouais, tout le monde qui empêche le pays ça aller vers l'avant. Et nous-mêmes qui sommes bord là, nous-mêmes qui sommes table là, en tant que responsables, nous avons demandé peuple haïtien, restez vigilants dans tout ça qu'on va faire, nous pouvons bataille là, nous pouvons ces peuples pour nous. Dans ça, dans l'objectif pour nous recadrer la communauté internationale qui est envahie par des dirigeants et nous a dit qui fait Haïti tourner. Il y a un espace, il y a un côté. Côté chaque fois que vous avez jeté, vous choisi Haïti comme dépôt, comme espace. Même Jean, nous rappelons nous en 88, vous avez gagné un pays qui était ensemble des déchets qui ont choisi pour venir jeter, c'est le Gonaïve. Et nous songeons qui combat ça a été fait pour nous permettre
pour nous contraindre à ramasser des déchets. Déchets toxiques qui ont été jetés dans la ville de Gonaïve, dans le Wav Gonaïve. Eh bien, nous pensons que c'est utile et important pour nous recadrer la communauté internationale là, à travers, et spécialement, les États-Unis d'Amérique, que nous voyons qui déclenchent toute une batterie, toute une volonté qui montrait effectivement que c'est yo yo solidaire derrière Ariel Henry. Là nous connaît quantité bagaille qui passait dans pays ça, nous pas jamais joindre quantité moun qui mouri, quantité moun y assassiné, quantité désordre qui passait que les oligarques corrompus font en pays, nous ne pouvons jamais joindre la communauté internationale là, aussi motivée que j'en motivé aujourd'hui, parce que la population a revendiqué le droit pour vivre comme nous. Donc, comme je l'ai dit, les États-Unis, la France et le Canada, qui formaient le corps groupe, il y a un projet pour nous. Et le projet, il y a obtenu avec impatience fin mandat reste Sénat qui là pour capable de mettre en évidence le projet que vous avez. Mais il est tellement sensible, il est obligé à faire des fuites en avant. Mes amis, nous voulons pays à connaître et femme et garçon qui bataille dans la rue, qui sous barricade, qui a revendiqué le droit pour vivre, quelle que soit la dimension puissance, droit pour vivre, ou même comme monde, quelle que soit menace, quelle que soit intimidation, que une puissance étrangère qui a fait sous vous, le fait que ce n'est pas quand on prend pour la caille. C'est revendiquer ou revendiquer pour vivre la caille et pour vivre dignement, pas pour prendre intimidation dans la menace de la communauté internationale. Parce que, là nous prenons canote, là nous prenons bateau pour nous dire nous prenons la fonte d'Ayan pour nous la caille, nous sommes nous en bas de Pont-Texas, nous rapatrier nous. Et ça que nous rapatrier nous, c'est parce que nous disons que c'est Haïti qui la caille nous, nous voulons nous tourner la caille nous. Alors, si nous avons pour nous carrer la caille, nous ne pouvons pas pour nous intimider par la communauté internationale pour nous pas gourmer pour nous réduire là. Nous faisons pour nous mener au combat, même pour ça d'ailleurs, après humiliation la caille voisin, nous faisons pour nous-mêmes qui la cap gourmer, nous faisons pour nous travailler pour nous permettre de tourner. Ça veut dire, je dis, si pour nous demander, si pour nous mobiliser, pour nous demander la dissolution du corps groupe qui symbolise un obstacle majeur dans la bataille pour que Haïti non seulement continue à grandir tête, mais pour grandir tête, il faut que nous fassions. Tout le monde nous tendait, nous tout tendait l'ambassade américaine qui a sorti, nous tout tendait aux fonctionnaires pouvoir. Biden a fait déclaration. Que autant de Biden a fait déclaration sous tribune des Nations Unies, toute déclaration ça a fait pour être un seul bagage. Parce que yo apprennent à travers PAM, peuple a entré dans 2-3 dépôts, PAM ne prend 2-3 sacs d'Iri. C'est pour sacs d'Iri que la communauté internationale l'a pris. La communauté internationale n'a pas fait notre sortie, pas fait réaction, parce que yo tant de magasins, classe moyenne, boulé ou bien crasé sous Delma. C'est pas pour ça. Il y a fait déclaration, toute menace qu'a fait là, lui fait parce que dans le local PAM, qui est le programme alimentaire mondial, qui marchait, qui c'est un annexe des Nations Unies, qui marchait, mandé, non, parce qu'il faut que nous toujours être dans la misère, il faut que nous toujours dans la crasse, il faut que nous toujours dans la saleté, il faut que nous toujours pas manger, il y a même pour mobiliser membres des Nations Unies pour ramasser 50, 30, 40, 100 millions de dollars, non, là, au final, ramasser 30 à 40 millions de dollars, non, et puis, quand il y a pu venir la guerre de 3 stacks de dans le dépôt, et puis, quand il y a pu tout, il y a demandé dans nos Haïtiens, parce que Haïtiens, à 60%, 80%,
Nous avons grand goût. Nous avons fait face à extrême pauvreté. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Son plan qui est là, puis au Québec, nous là. Avait dit, je dis, nous gardons, nous avons vu, nous qui allons dans le dépôt, nous avons des sacs de remarque, deux Canadiens qui expirent dans le dépôt. D'ailleurs, c'est des manger qui expirent. D'ailleurs, si PAM, Programme Alimentaire Mondial, si Caritas, qui symbolise l'Église catholique, ils ont des humains, ils ont pratiqué ça, l'humanisme. Prisonniers, même les gens qui ont une grande population manger, mais ils ont même des gens qui ont fait des gens qui ont mangé à pourri. Quand les peuples ont décidé de garder chacun dans des pour eux, pour Joe Biden, en tant que grande puissance, monter sous la tribune des Nations Unies, à crier pour ça, dire ils ont déchouqué dans le local. Déception pour le peuple américain, un grand peuple, un peuple de valeur, un peuple qui a toute dignité, un peuple qui a servi, qui a payé pour manger. Et puis je dis à vous, président, à crier pour ça, dire que une population qui a un grand goût, déchouqué. Et puis pour, au lieu des Nations Unies, Joe Biden utilise la tribune des Nations Unies pour dire aux Haïti, toi, et bien c'est pour ça, dire la marche crier devant l'ONU, parce que situation, et puis senti, le peuple a déchouqué, grand sac dire que vous avez un bureau pas. Maintenant, maintenant, deuxième bagaille que nous besoin de dire. Le Biden, président Biden, fait discours pour dire, lui lance un vibrant appel à l'autre pays pour protester pour Haïti. C'est une déclaration d'hypocrisie, mais c'est une honte tout pour les États-Unis d'Amérique. C'est une honte, les reconnaît, Madame Lalim qui la rime. Je connais la rime, c'est dans tourner, ça sorti dans le cerveau. Non, madame la rime ou la rime? Ok. Madame la rime. Madame la rime. Entre parenthèses, madame la rime, c'est représentant en d'un corps groupe là, en d'un union, c'est représentant les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire, côté lié à la publicité textuellement, la politique du gouvernement américain. Et la politique du gouvernement américain a appliqué, il parle de bagarre. La appliqué politique, yon board en dans gouvernement Biden, que M. Clinton, avec les Black Caucus, a mené en Haïti. Il a protégé la politique que l'équipe Clinton a mené en Haïti depuis 1991. Et c'est même politique là qui continue à appliquer là. Côté négo, bon projet, près de 50 milliards de dollars entre eux, pour créer des conditions pour mettre nous dehors sous ça. Vous voulez nous comme ça? Projet les États-Unis, Bob Clinton, non, c'est créer des conditions pour nous tellement rayer le pays. Les gens mettent un avion dans le bus là, parce qu'il y a une consultation avec de l'autre pays qui pour mettre terre qui pas cultivé, qui non cultivable, tel que le pays n'a pas besoin, et puis pour priorité dans nos situations, nous dans la situation qui a été noire, c'est nous qui avons continué à vivre qui le pays. Nous allons mettre bateau avion pour nous là, dans le pays là. Même si on a été en Afghanistan pour prendre un lit sous deux avions, ces conditions ça a créé pour nous, pour nous mettre nous dehors, pour nous faire nous quitter là. Pas oublier, regardez le dernier paragraphe. Représentant l'OEA, secrétaire général OEA, elle parlait de Haïti pour dire Haïti c'est une zone qui est faite pour l'industrialiser. Elle dit si on parle de zone d'industrialisation, zone qui a beaucoup d'industrie, on ne peut pas habiter dans zone ça. Ça veut dire son projet lié. Et un projet qui après 50 ans, 100 ans, il y a travaillé sur lui, il y a créé des conditions. Ce n'est pas sans raison que les gens ne peuvent pas habiter la Cité Soleil, les gens ne peuvent pas habiter en bas la ville sur la zone Wap Jérémy. Ce n'est pas sans raison que y a pas mis les quoi de bouquet, il y a pas mis dans mon sans jour, il y a mis Iso, il y a mis Tilapli, il y a mis toute zone Cité Soleil. C'est des zones qui ont une nappe de pétrole, il y a fait mieux raïs. Et il y a mis son dièf tout. Pour les revenir, pour les revenir chercher. Pour les créer des conditions pour aller, et puis pour nous avoir dit, mais sauver. Ça veut dire qui ça? Il y a un grand goût. Il y a créé des conditions pour grand goût.
pour les récits, bon, tu manges pour dire merci au verre. Il faut nous avoir une capacité pour nous comprendre, jouer le cap jouer. Il y a créé condition pour faire nous rail là. Pour les jeter, nous, côté de jeter nous, pour nous dire nous délivrer. Pourtant, monsieur Ariel Henry voyageait dernièrement. C'était mercredi passé, pas vrai? L'aller Miami. Et bravo, tout numéro WhatsApp que nous avons, nous allons le transmettre à nous. Rapport réunion. Monsieur Ariel Henry fait Miami, Floride. Jour qui était jeudi. Non, il parti mercredi. Jeudi. Il parti mercredi. Il fait réunion jeudi matin. Il rentre dans la salle conférence côté de la recevoir là. À 9h AM, il quitte la salle à 2h30 PM. Qui ça Ariel a fait aux États-Unis, Miami? Et depuis au monde sont fonctionnaires l'État, de président à ministre, si les fait pour bailler un rapport, si son directeur général l'a fait un rapport de mission à ministre de titelle, si le seigneur ministre l'a fait un rapport à premier ministre de titelle, et si le premier ministre l'a fait un rapport non seulement au président de la République, mais l'a fait un rapport à la nation pour dire que ça l'a réglé. Parce que comme l'ivrage, c'est PDM qui dépense, c'est l'argent trésor public, c'est comme. Il est tenu pour une bonne explication, ça l'a fait, mais on l'a rencontré, mais ça l'a rencontré. Est-ce que nous avons Ariel Henry fait? Non, pas à expliquer ça. La zone pays. Président de la République, là, le président voyage, l'idée nationale l'a parti. Les présidents tournent dans le salon diplomatique, oralement, il n'y a pas de monde qui rapport détaillé, mais oralement, verbalement, ils présentent un bilan de voyage. Et à travers le bilan de voyage, le président dit 1, 2, 3, 4, mais il n'y a pas de monde qui parle, et ça a bénéficié la donne, parce qu'il était voyagé avec PDM PIA, qui c'est l'agent trésor public PIA, lui tenait à faire une explication sur le voyage. Monsieur Ariel Henry voyage. L'Elvini, il crée une stratégie. Il entend avec l'équipe mafia. C'est la mafia. Je dis à les États-Unis d'Amérique. Depuis que les démocrates sont montés, souvent la mafia sentit qu'ils sont en branle. Ils sentent qu'ils sont en bonne agression. Parce que très souvent, ce sont ensemble de deux magogues qui symbolisent le pouvoir démocratique. Les qui viennent entrer en Haïti, ils ont fait un Jean-Bertrand Aristide. Ils ont fait Aristide sous ces pays. Avocat Jean-Bertrand Aristide qui était avocat avec Black Commission, là il a quitté le pays. Il fait 10 pays après les pauvres là, il voyage après à plus passer 30 millions de dollars pendant qu'il a dit nos pauvres. Eh bien, qui ça, monsieur Otal Réglé? Dans le cadre de ça, le premier ministre Ariel Henry rencontré avec un monsieur qui est multimilliardaire qui sont africains. Africain ça, c'est lui-même qui t'a exploité tout iridium Afrique du Sud. Ligue de compagnie Espace X qui a une spécialisation dans faire ça aller fusée. Compagnie là ça fait tout, c'est compagnie par là qui exploité ça aller iridium là. C'est lui, ses compagnons qui exploitaient tout l'iridium en Afrique du Sud. Compagnons qui ont gagné un branche aux États-Unis, qui est Miami, Floride, mais qui ont un rapport avec les démocrates. Ils ont fait Ariel Henry aller, ils ont calculé la question de l'iridium. Ils ont dit qu'un gramme d'iridium, 26 000 dollars américains, gramme. Ton iridium dans le contrat, dans le document paraffé, hein? Ton iridium dans 45 milliards de dollars. Ils ont identifié côté iridium dans qui commune, dans qui département. Ils ont joué dans le sud-est, commune Bénin. Ils ont dit Ariel Henry, qui besoin de grâce pour qu'il ait le pouvoir, il discutait avec monsieur. Que l'État ici a gagné 2,5% sur chaque tonne iridium. Chaque tonne iridium, 45 milliards de dollars, l'État ici a gagné 2,5%. Mais ça, il n'y a pas de signe. Et puis, pour
li tout crée en confusion pour moun pas mander ça t'a le Miami li tout prend gaz d'acte 250 goud li monte à 570 goud kounya là ou même va prendre la rue ou va manifester pour mander baisser prix gaz mais ou pas intéressé pour connaître ça monsieur t'a réglé Miami. Voilà la situation. Document que m'gen là, on prêt pour distribuer sous qui déjà commencé distribuer sur tous les réseaux sociaux pour payer à ouais des photos comme qui ça, l'aide ça ou là ou pas de légitimité, ou pas de qualité. Là c'est des débris intellectuels. Nous prenons nous confier pays à et ben mais ça n'a bien comme résultat. Exemple Jocelyne Privé est président provisoire. Il n'a pas de mandat pour le signer. Privé n'a pas de mandat pour ça. Pour le signer un accord avec quiconque. Pendant Privé président pour le cas qu'il ait le pouvoir, parce qu'il a le pouvoir 3 mois. Pour Privé qui a prolongé de 3 mois à 1 an, il a signé un document par l'équipe Clinton. Il faut le connaître, il faut le monde connaître. Malais nous, douleur nous, calamité nous. Que la famille Clinton joue un rôle prépondérant là-dedans. Yo ba nou embargo. Pendant le film ba nou embargo, yo rentré sous pouvoir yo, yo vinn a bateau là, yo boté ensemble de ressources pays là. Yo meté un groupe nèg et puis yo dou pour de 200 à 300 millions de dollars pour y faire lobby pour Haïti, même c'est pour tête yo. Yo fait privé signer ba yo. Yo document dans trois feuilles papier. 5 milliards 800 millions de dollars qui a pris dans la caisse l'État presque chaque année. Car je viens de Bob Clinton, si équipe Clinton, Jovenel Moïse coupé. Privé signé exploitation de l'eau caracol là. By frère Madame Clinton. Frère Madame Clinton, non? Les Jovenel venus garder le contrat, ils disent ça pas possible. Jovenel coupé. Jovenel a dit mourir pile. Les États-Unis et les mercenaires locaux qui étaient dans l'État, ils ont tué Jovenel. Privé Ariel a dit mourir et puis retourner le contrat. Ils ont reploqué le contrat. Jean Frère Clinton a devenu là. Ils ont rebalé le contrat. Et actuellement, Frère Clinton a exploité l'or, caracol, sans personne ne va poser la question. Mais il n'y a pas assez. Jovenel a venu gagner Ariel Henry. On a des difficultés. Qui a été non-cité dans l'assassinat de Jovenel Moïse, qui a été quitté le pouvoir, ou bien mourir, ou bien aller en prison, et bien il a cherché une protection internationale. C'est dans le cadre de protection internationale, là, puisque l'ampliation qui n'a mis Ariel Henry, c'est Badjo qui te permet de gagner l'ampliation. Et Badjo, d'après la DCPJ et le parquet et la DGCL, ils ont joué que Badjo. T'es sous scène criminelle, l'elle est en communication avec Ariel Henry. Or, Ariel Henry n'a pas d'accord d'ampliation en main, puisqu'elle n'a pas d'accord d'investir, elle n'a pas installé. Ça veut dire qu'il y a un criminel qui est dans le tête pays. Et puis, je dis, pendant l'administration Biden, soi-disant, voyait FBI pour venir enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ougarou a mangé petit là, et puis l'ougarou a bouillité par maman petit là. Par contre, si vous comprenez, situation nous est là. Avec l'ougaoua, c'est lui qui mange petit là. Mais premier monde qui vient bouillir par maman petit là, c'est l'ougaoua. Nous pas pour ça, nous pas pour ça, nous pas pour ça. Avec Joe Biden, avec vous. Ça veut dire, combat n'a pas mené aujourd'hui, nous voulons que nous comprenions, pour les nous tendre, communauté internationale, les États-Unis, la France, le Canada, fait déclaration, ils ont pas fait déclaration pour nous. Ils ont fait déclaration juste pour casser le mouvement parce que ils ont un assassin à protéger. Parce que jour ils ont pas protégé, Ariel Henry encore pour aller trop bagay capti. Gemoun captain résultant enquête Washington FBI sur assassinat Jovenel Moïse. C'est même gens tout gemoun qui captain résultat enquête lorsque en 94 l'armée américaine était rentrée dans base frappe. Il peut aller tout document frappé et puis il dit qu'il va travailler pour la justice à les gens qui sont victimes en bas de frappe. Est-ce qu'à nos jours, nous avons des gens qui viennent justice en bas de qui sont victimes en bas de frappe? Non! Eh bien, ça fait que vous avez pris un document frappé, c'est parce que vous avez des agents de la CIA qui sont impliqués non seulement dans la montée frappe, mais dans la financer frappe pour te permettre frappe d'exister en Haïti.
Puisque les bagages sont gâtés, ils ont grande puissance, ils ont des armes de moyens, ils ont grand document pour ne pas être suivi. Puisque je dis, dans le cas d'assassinat de Jovenel Moïse, je finis pour vous. En aucun cas, pas aucune possibilité pour gagner planification assassinat au président dans le Caraïbe sans l'implication de la CIA et de la FBI. Jamais, si vous me voyez $2000 aux États-Unis, moi, je vais vous rappeler une forme pour une explication qui ça comme ça va le faire. Pour qui vous comme là, côté vous habite, ça vous n'a fait, et côté vous comme là. Alors que, pendant les États-Unis, ils prennent la protection contre les gens, ça c'est celui qui a financé la manifestation de gaz, qui a crié pour gaz parce qu'il n'a pas acheté un gallon de gaz 770 gouttes là. Les États-Unis disent, ils disent qu'ils prennent la protection contre les gens qui ont manifesté. Pourtant, les États-Unis ne peuvent jamais annoncer ces sanctions contre les gens qui transfèrent sur le territoire plus de 20 à 30 millions de dollars américains pour planifier l'assassinat de Jovenel. Comme la passé nos banques. Comme la passé nos banques. Les Américains ne peuvent pas nous qui banque. Ni ne peuvent arrêter les oligarques compio. Ni ne peuvent pas rapport FBI, CIA, ne peuvent pas dire qui banque. Mais pourtant, il y a des gens qui ont financé la manifestation contre le gaz, contre le sac tiré en Haïti. Nous ne pouvons pas aider. 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 Deuxièmement, les États-Unis épargnent Zelensky, président ukrainien. 10 tentatives d'assassinat dans moins d'un mois. Alors que Jovenel Moïse, pendant qu'il partage le gouvernement avec le représentant des États-Unis, Madame Larine, qui c'est Madame Laline, dans Bini, il y a même bureau, il partage le même bureau, il a assassiné Jovenel Moïse, en deux cas, les États-Unis pas trop assassinat. Comprenez bien. Troisième point pour nous finir. Si tu recrutes, mettez bureau Floride, en deux cas, les États-Unis, en deux la cour, FBI, en de la cour CIA, il a recruté mercenaires pour venir tout le président dans la Caraïbe là, le gouvernement américain n'est pas au courant. Il connaît, mais il connaît, contre les gens qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas acheté gallon gaz 770 gouttes. C'est peut-être ça, Mathieu, nous devons faire confiance pour nous regarder les États-Unis, pour nous dire. C'est vrai qu'il y a des moyens, des puissances pour développer tout ça. Mais cependant, l'intelligence de l'école, l'école université n'est pas intelligence, mais l'école à l'université rend une intelligence imparfaite. Ça veut dire nous finissons pour nous dire, c'est que nous-mêmes, cap goumen pour nous changer les conditions, les gens qui sont mal, quel que soit ça, ça coûte nous comme bruit, nous faisons pour nous continuer à goumen parce que nous ne sommes pas notre pays de l'échange, parce qu'il faut que nous menions un combat. Non seulement pour les gens qui ont l'histoire continuer à vivre, mais pour ceux qui veulent tourner, pour être capable de tourner pour vivre dans un pays dignement. Okay. À cette phase, nous demandons à tous les militants qui ont quatre pays pour nous continuer.